Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui. Adoré, élevé à jamais. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi je de pouvoir te voir, mon Sauveur. Ah, nous sommes plus que heureux, Seigneur. Nous te remercions vraiment du fin fond de notre cœur. Tu es tout pour nous, notre Dieu. Nous réalisons combien tu es tellement si important, Père, de pouvoir vraiment être là pour nous conduire encore davantage et surtout pour nous de voir ton action à toi, à notre endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ta main puissante qui est là en train d'agir encore pour ce peuple, Père. Tu as dit qu'ils étaient alors très peu nombreux, Seigneur. Tu ne permis pas qu'on le touchât parce qu'ils étaient à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Oh, que ton nom soit célébré, Père Dieu. Merci vraiment pour ce privilège que tu nous accordes, bien-aimé Père Saint, de pouvoir avoir des moments comme celui-ci, Père, de pouvoir avoir des bénédictions, pas du puissant de te chanter dans l'esprit comme cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir cette grâce, mon Seigneur, de te tenir encore dans ta maison à toi en ces jours. Seigneur, nous te disons vraiment merci. Louange et honneur à toi pour les prières qui sont montées encore tout à l'heure pour leur requête, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons de pouvoir t'avoir parce que tu es notre tout, bien-aimé Père. Tu l'as dit toi-même que tu es vivant, que tu es avec nous, tu seras avec nous, Père Saint-Dieu.
Et nous te remercions pour ta présence continuelle avec nous, mon Seigneur Jésus, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Béni sois-tu encore pour les chants et les cantiques, pour l'adoration, pour le cœur qui se sont réjouis et les vus encore vers toi. Seigneur, nous sommes venus avec autant d'empressement parce que nous réalisons combien les jours sont tellement très courts encore aujourd'hui, béni mon Père Saint-Dieu, et nous pouvons voir que le monde n'a plus d'issue, mon béni mon Père Saint-Dieu. Prépare encore davantage nos cœurs, et tu le fais, Seigneur Jésus. Aide-nous à pouvoir prendre conscience de ton action dans chacun de nos pères. Pardonne-nous, Père, et soutiens-nous, car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos frères et sœurs partout où ils sont, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils soient bénis, Père Dieu. Souviens-toi de nos frères partout dans le monde, partout où ils se trouvent à Dibisson, sur les îles, à La Réunion, Père Saint-Dieu, notre sœur Jacqueline. Seigneur, nous te remercions parce que tu prends soin de tes enfants que tu aimes tant aussi, mon bien-aimé Père Dieu. Merci parce que tu nous rassembles autour de ta parole à toi, autour de toi-même, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre source de vie. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est vraiment une grâce extraordinaire et imméritée de pouvoir avoir trouvé grâce aux yeux de ce Dieu qui fait tellement de merveilles dans notre vie, qui ne nous a pas laissés seuls, qui ne nous a pas laissés aller dans la direction de la mort, mais qu'il y a ouvert le chemin pour que nous puissions vraiment aussi avoir l'assurance qu'il veille sur nous et que vraiment il est là pour notre bien. C'est pour ça que nous prions, je prie pour ceux qui l'aiment aussi. J'ai dit, si il doit châtier, qu'il châtie. S'il doit ramener, qu'il ramène. Mais que toute la gloire lui revienne. Je ne suis pas là pour indiquer à Dieu comment il doit me traiter. Je ne suis pas là pour dire à Dieu comment il doit faire les choses dans ma vie. Je suis là simplement pour le supplier et lui dire merci. Et je lui dis, Seigneur, tout ce que tu fais pour moi, c'est bon. Que je passe un moment difficile, je sais que c'est bon. Et toute chose concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Puisque j'aimais Jésus, tout travaille pour mon bien. Puisque j'aime le roi. Voyez, c'est extraordinairement merveilleux lorsque nous arrivons, nous déjà, à avoir conscience dans notre marche de tous les jours que vraiment toute chose concourt pour notre bien. C'est à ce moment-là que par la grâce divine de notre Seigneur que nous ne pouvons plus nous plaindre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'étant humain, on se dit, mais il n'y a que des épreuves, il n'y a que des difficultés pour moi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est humain cela. Mais quand tu rentres effectivement dans les lieux très hauts, tu dis, Seigneur, tu m'as aimé. Amen. Tu m'as vraiment aimé. Amen. Alors à ce moment-là, tu te réjouis de ce que, étant dans ce monde comme celui-ci, que le Seigneur t'a choisi, toi, il a posé ses regards sur toi. Amen. Et alors tu comprends maintenant, il t'instruit pour que tu comprennes, mais c'est pas ce que je t'aime, c'est pas je t'ai choisi que le monde t'a haï. Et c'est souvent, on ne réalise pas, en fait. Il faut que, à un certain moment, qu'on s'assied, qu'on puisse quand même prendre conscience de Seigneur, mon Dieu, c'est une grâce pour moi. Aujourd'hui, si même je traverse des moments difficiles, je te remercie parce que je te connais. Si je ne t'avais pas connu, quel désastre dans ma vie. J'aurais peut-être mis fin à ma vie parce que je ne vois pas de chemin. Mais maintenant, là, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu m'as pas dit que tu vas mourir. Tu m'as appelé pour que je vive. Oh, il est bon, notre Seigneur Jésus. C'est pour ça, il faut que nous soyons conscients, frères et sœurs, quand nous entrons dans cet endroit, que vos cœurs ne soient pas fermés, que vous ne puissiez pas être là comme si on doit vous pousser. Parce que quand vous êtes lourd, on le sent, cette lourdeur, vous n'êtes pas présent. Alors pourquoi vous êtes venu? Parce que si vous l'aimez tant, vous entrerez ici, surtout que Dieu te bénisse. Quand il a commencé à chanter, j'étais là assis, vous savez, dans la chaise où j'étais, ça vibrait dans mon cœur. C'est Jésus, ce qu'il a fait, et ton nom puissant. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me disais, j'ai dit, en chantant, c'est si chaque cœur devait se lever. Et puis j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? Moi, je ne sais pas, moi, j'ai dit, mais quels sont vos problèmes que vous avez qui peut être plus fort que ce que c'est Jésus a fait pour toi? Que vous soyez lourd comme s'il faut que... Je ne sais pas, mon frère, je ne comprends rien. Si déjà, moi, je peux être comme ça, comment l'Esprit de Dieu peut être?
avec tout ce que Dieu vous montre et qu'il fait pour vous, c'est toujours lourd comme si vous toujours vous poussez. Et c'est que vous poussez et vous faites réjouir. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors vous vous plaisez effectivement quand on vous met les disques du monde, vous plaisez avec les choses. Je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qui doit vous réjouir effectivement? Les cantiques du monde? Qu'on change effectivement, que on dit bon maintenant on vous envoie tous ceux qui vous chantent avec les chansons mondaines, avec ton chant, parce que c'est ce que vous souhaitez. Peut-être qu'on va vous voir tellement assez dans la joie, votre âme va se réjouir, mais vous êtes maudits. Parce qu'étant comme cela, vous savez, quand je dis cela, parce que je dis, ben, ses frères, ils disent, non, je ne vais pas trop loin. Je ne suis quand même pas trop loin. Quand j'ai dit, vous êtes maudits, c'est dans votre attitude là. Pourquoi? Parce que Dieu te bénit, je crois que tu as compris. La Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens 16. Que c'est lui, c'est pas moi qui écris ça, que c'est lui qui n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'exalte pas, qui ne loue pas, qui l'aime tant avec autant d'empressement, qu'il soit béni, non, qu'il soit maudit. Et quand tu es maudit, tu n'avanceras jamais. Tu peux aller voir des démons. Frère, les démons, ils tremblent contre toi. Quand Dieu a dit quelque chose, personne ne peut dire autrement. Si Dieu t'a maudit, personne ne peut. D'ailleurs, qui ne peut plus bénir. Ton papa va te bénir? Mais non, mais il ne peut pas, il ne pourrait même pas. Parce que c'est lui qui bénit, c'est Dieu. Et vous, est-ce que c'est important, frère, pour que vous compreniez que c'est votre jugement à vous. Vous ne pouvez pas venir comme ça, comme si des gens qui murmurent, comme si maman t'a poussé, t'a obligé. Je ne pense pas que les mamans qui sont ici vous ont obligé. Vous devez vous sentir effectivement libre. Et surtout, au stade, moi j'ai dit, chaque jour, je dors dans mon lit, je me réveille, je dis gloire à Dieu. Non, c'est la vérité, j'ai dit, quand je regarde, j'ai dit, Seigneur, ta grandeur, ce que toi tu es. Moi, je ne peux pas comprendre que les jours qui ont suivi, qu'on puisse se plaindre encore. Moi, j'ai dit, non, ça ne devait pas être. Quand je vois ce que lui, il a fait, donc tout ce que Dieu a fait, c'est bon pour toi. Si tu crois vraiment en lui, tous tes problèmes, que ce soit même maladie, que ce soit même financier, dans ceci et cela, tu ne vas plus continuer, à moins que tu sois vraiment incrédule. Quelle parole qui peut encore t'amener encore vers Dieu, si déjà tu acceptes ce qu'il est, ce qu'il donne pour toi? Je ne sais pas, moi, essaie un peu de réfléchir. Ah, frère, nous voulons avancer avec Dieu, mais Dieu vous fait avancer. Amen. Vous voulez quoi? C'est comme si on vous met dans une brouette pour que... Non, mais comment voulez-vous que Dieu vous fasse avancer? Je me pose bien la question. En fait, frères et sœurs, vous devez vous examiner et vous voir. Et maintenant, vous posez la question, quand on rentre dans ceci, dit, mais pourquoi les autres commencent à l'exalter? Et moi, je ne peux pas l'exalter. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de pouvoir exalter ces dieux? Et surtout que je dis, mais je suis en chemin pour aller au ciel. Et lui, le chemin, me montre qu'il est le chemin et ce qu'il fait pour moi. Frères et sœurs, moi je devrais dormir en paix. Même si on dit, mais monsieur, vous allez mourir demain. Je dis, mais peu m'importe. Est-ce que vous me comprenez bien? Je dis, mais peu m'importe. Vous savez, vous tremblez tout le temps. Vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Frères et sœurs, quand on regarde nos frères d'antan, ils étaient tellement heureux, surtout quand ils se rassemblaient. Moi, je me demande, les rassemblements, ce que ça signifie. Que Dieu te bénisse, que tu bénisses, mon bien-aimé. Je dis, mais ces hommes-là, ah non, que Dieu soit béni. Je l'aime beaucoup parce qu'il a toujours eu un peuple. Même quand vous ne le louez pas, mais je me souviens quand même qu'il a toujours eu des hommes et des femmes qui l'aiment et qui le louent et qui le servent. Ses frères et sœurs, malgré qu'on le torturait, ils louaient tellement ces Jésus. Pourquoi? Il dit, mais la mort m'est un gain. Il dit, mais vous pouvez me tuer. Mais il dit, mais c'est pour me permettre de le voir plus rapidement. Parce que plus longtemps je reste, je ne sais pas ce que je peux faire sur le chemin ici. Je peux encore pécher, tomber dans la... Oui, bien sûr, je préfère m'en aller. C'est la vérité. Mais si vous aimez tellement quelqu'un, vous voulez le voir tous les jours, frère. Et l'amour de ce Jésus m'empresse. Ou presse aussi que je voudrais le voir. C'est pour ça que le pouce, l'esprit donc le pouce dit, viens, ne tarde pas, viens, parce que là nous sommes pressés de pouvoir te voir. Oui, c'est comme cela, mais si tu n'es pas pressé, on le voit. Tu veux fricoter avec le monde, tu vas encore faire le monde, tu as des projets longuement des kilomètres du monde. Et c'est bien pour toi, mais tu vas bâtir le monde. Je ne sais pas si vous avez peut-être suivi, mais d'après ce que j'ai entendu, même les gouvernements, les vôtres,
Ah bah moi, je ne suis pas dans la maman, hein, peut-être que vous n'êtes pas. Et moi, si je suis quelqu'un, j'écoute quand même très bien. Le premier ministre a dit, ah, je ne peux pas vous mentir, mais ah, les 10 années à venir seront pires. Est-ce que vous entendez bien? 10, pas 1 an ou 2 ans, mais dit, mais 10 années. Il dit, ça, je ne vais pas dire autrement, parce que bon, on peut nous demander, mais premier ministre, s'il y a vraiment l'aurore, qu'on peut voir bien dit, mais non, d'après ce que nous voyons ici, les 10 années à venir, donc ils sont parce que tout va augmenter, tout ceci, et les pires, et les pires, et même la nature. Alors moi, je me demande, vous, si du monde dit que ce sera pire, mais vous, vous espérez quoi dans ce monde? Et Dieu te bénisse. Réfléchissez bien. Dieu vous a accordé la grâce de pouvoir vous tenir dans la maison du Seigneur pour pouvoir vous montrer ce que lui prépare pour vous. Parce que de toute façon, il a dit que vous vous accrochez à ce que vous voulez vous accrocher. Il a dit, les cieux et la terre d'à présent, ils sont gardés réservés pour le bonheur. Parce que moi, je me pose la question, quel bonheur vous cherchez encore dans ce monde? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? N'avez-vous pas votre cœur pour Jésus une place? À votre partie se tient, sans s'élasser, il revient. Vous entendez cela? Vous chantez plus des cantiques. Merci mon grand parce que tu es revenu dans cela. Nous voulons revenir au cantique de chant, dans ces mots-là, où quand nous chantons, aïe, tu penses, oui mon grand, tu penses, tu dis, Seigneur, je préfère les genoux. Alléluia! Oui monsieur! Ma vie est à genoux pour te parler, toi mon Jésus. Et c'est à genoux que j'obtiendrai de ta part. Parce que là, je te remercie. Je te dis, Seigneur, si tu n'étais pas venu, je ne pourrais jamais. Parce que vous ne réalisez pas. Vous qui êtes enfant de Dieu, vous sentez cela. La gloire qui vous attend. Frère, et je ne vais même pas comparer à tout ce que vous pouvez. Moi, vous êtes, frère et soeur, vous ne réalisez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi les démons et l'enfer se sont déchaînés contre les fils et les filles de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais. Ce que vous voyez ici sur cette terre n'est rien. Mais vraiment infime. C'est-à-dire que ça vaut rien, rien, rien de rien. Comparé à la gloire à venir. Alors, je préfère souffrir. Parce que je n'aime pas le monde. Même si les gens dans ce monde ne m'aiment pas. Mais parce qu'ils sont du monde. Mais ceux qui ne sont pas du monde, nous nous aimerons. Parce que, pour quelle raison? Parce que nous faisons la marche ensemble. Amen. Il dit, mon frère, toi aussi, oui, toi aussi, ma soeur, où est-ce que, mais nous partons chez nous. Allons, allons, allons chez nous. Et c'est vrai, frère et soeur. C'est pour ça, il ne faut pas, mon frère. C'est que hier, ça pouvait, c'est-à-dire, ouais, ah, je suis fatigué, je n'ai pas les mains. Mais aujourd'hui, depuis qu'on entend ça, mon frère et ma soeur, moi, les choses ont beaucoup changé. Vous savez, souvent, c'est pour ça que quand j'ai dit, vous savez, je viens, mais je dois aider les gens de certaine manière. Mais quand je regarde, j'ai dit, Seigneur Jésus, les gens ne t'aiment pas. Parce que, après toujours avoir vécu dans cette lieu, on devait déjà être des grandes personnes. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu ne nous as pas donné? Et puis, qu'est-ce que tu ne continues pas à nous donner? Frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous tombiez dans le jugement. Parce que personne ne peut échapper. Et quand on tombe dans cela, il n'y a personne qui peut te faire sortir. Vous avez déjà entendu dans les Saintes Écritures, il nous dit, quelle grâce que Dieu nous accorde, parce qu'il faut que nous nous soyons sauvés. Il dit, les jugements commencent aussi dans la maison. Donc c'est ici. Pour que toi, tu ne sois pas jugé. Mais eux là, qui ne se tiennent pas et qui ne considèrent pas ce que Dieu est en train de faire, c'est Dieu a accordé une grâce extraordinaire à l'homme. Vous êtes déjà regardé, parce que nous y étions en quand vous lisez les Saintes Écritures, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir voir la Bible s'ouvrir encore plus pour nous. Vous ne réalisez pas, mais moi oui. Je sais qu'il est, je le remercie du fin fond de mon cœur. J'ai dit, même si aujourd'hui je m'en allais, Seigneur, je sais, tu es vraiment. Et d'ailleurs, il m'a déjà rassuré dans mon âme de voir ce qu'il est. Je sais, frère, ça. C'est pour ça que je marche, même si mes yeux se ferment, je sais ce qu'il dit. Mais j'ai confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, notre Dieu, tu es vraiment extraordinaire.
Tout un chacun de nous, effectivement, aussi ici, je crois, parce que au stade où Dieu nous conduit, nous devions avoir une relation vraiment profonde, respectueuse, avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit de ces dieux. Parce que je vous l'ai dit aussi l'autre fois, j'ai dit, frères et sœurs, peut-être que vous n'avez pas prêté attention, c'est pour que ça revienne à votre esprit. Si Dieu n'avait pas besoin de toi et que Dieu ne pouvait rien faire pour toi, il t'aurait laissé mourir dans le monde dans lequel tu étais, même pendant le problème de grossesse et tout ça, parce qu'il y a des morts-nés. Évidemment, même quand ils grandissent, il y a des accidents, c'est personne là, mais mon frère et ma soeur, qu'ils prennent le temps de pouvoir te prendre comme ça, t'étirer dans le monde et te placer effectivement dans ce lieu qu'il veut que tu sois et qu'il puisse arriver à pouvoir avoir des mauvais projets pour toi. Mon grand. Ne fût-ce que ça, quand même, humainement, on peut quand même penser. S'il avait des mauvais projets pour toi, il te l'aurait abandonné depuis. Il serait déjà mort, effectivement, et tous ces sorciers, tout ça, ils auront fait tout ce qu'ils voulaient avec toi. Mais Dieu n'a pas permis. Il a veillé. Ne fût-ce que pour ça, tu dois lui dire merci. Et puis reconnaître qu'effectivement, que Seigneur, mon Dieu, c'est une grâce. Parmi tant de milliers, tu m'as quand même choisi. Tu as veillé sur moi, même si je suis malade aujourd'hui. Si ça devait m'emporter, je devais le permettre à l'époque. Mais maintenant que je te connais, Seigneur, tu mes problèmes, mes soucis. Puisque tu m'as placé, maintenant tu me parles. En disant, pourquoi, frère et soeur, j'ai dit, l'incrédulité est la chose la plus mauvaise. Il t'a dit, toi, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ne t'inquiète pas, dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'a pas parlé ça en cachette. Il n'a pas parlé ça au mur. Mais pour vous, maintenant, je commence à peut-être comprendre que, puisqu'on vous l'a dit, on vous répète, c'est comme si c'était quelque chose qui était devenu rien. C'est peut-être ça, ça, mon frère. Le problème, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Ça vous dit quoi? Ça vous fait comprendre. Je veux que vous compreniez, parce que, bon, vous l'avez entendu, mais vous continuez toujours à, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Il a dit, mais ne vous inquiétez de rien. Et il vous montre qu'effectivement, que tout ce dont tu as besoin, dans tout le moindre détail. Je veux que vous compreniez cela. Parce que le Dieu que nous servons, le vivant, parce que nous servons le Dieu vivant, amen. Il nous a montré hier qu'il était l'alpha. Ça aussi, ça veut dire quoi? Le commencement et la fin. Et il contrôle toute chose avant même que la chose puisse exister. Il la connaissait. Donc toi, docteur, avant que tu sois assis là, avant même que ton père puisse même penser à pouvoir, avant tout ça, le Seigneur notre Dieu avait vie. Et venez, c'est important cela, frère, parce que vous devez connaître le Jésus que nous servons. Il n'est pas comparable à tous ces esprits que vous pouvez voir, tous ces frères, à personne. Et puis si vous l'avez, le vrai Dieu, vous devez vivre tranquille. Parce que, écoutez bien, parce que ceci est très important. Lorsque tu es venu dans ce monde, il a veillé sur toi. Et il a bien vu aussi exactement tout ce que tu allais faire et par où tu allais passer. Parce que s'il ne pouvait pas être capable de le faire, il ne serait pas Dieu. Donc, ce qui veut dire que, même étant assis où toi tu es assis, les soucis là qui te préoccupent, qui sont chez toi à la maison, ou dans un endroit où ceci et cela, peu importe que ce soit même financier, qu'on t'a roulé, j'en sais absolument rien. Parce qu'avant que la chose t'arrive, Dieu le savait. Mais c'est pour que nous comprenions que ces dieux-là avaient déjà résolu ton problème-là. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Donc, c'est Jésus que nous servons. Il avait déjà résolu ton problème par lequel tu passes aujourd'hui. Il avait déjà résolu ton problème par lequel tu passeras demain. Demain. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qui t'attend comme problème demain, et après-demain, là, il a déjà résolu. Alors, si tu es un fils de Dieu, sois en paix. Ce qui te demande de toi, c'est de croire en lui. Ce qui te fera réussir, c'est la foi en lui. Et quand tu crois vraiment en cela, et c'est la vérité, eh bien, tu pourras le voir. Je vous l'ai toujours dit ici, je vous l'ai toujours montré, parce que bon, on va prier dans quelques minutes, nous rentrons. Je vous l'ai toujours montré, frères et sœurs. J'ai dit que Dieu nous aide.
Parce que si nous bypassons ce que Dieu nous est en train de nous faire ici, que nous ne le croyons pas, le jugement pour nous, ça sera tellement dur. Et même pour arriver, c'est quand même que... Parce qu'il ne faut même pas y arriver à ce point-là. Parce que, je vais vous montrer une chose. Cet homme-là, le boiteux qui était né de naissance, comporté comme était à la porte de la belle, vous vous souvenez quand même. Maintenant, oui, que Dieu te bénisse. Cet homme-là, qu'on ne le mettait pas devant les mosquées. Hein? Non, j'ai dit bien, moi je l'ai dit clairement, moi j'ai dit. Je parle ici, on l'a pas mis devant la mosquée. Parce que c'est moi qui parle. Donc vous n'avez pas de problème. Hein? C'est moi ici qui parle. Hein? Donc j'ai dit, on ne l'a pas placé devant la mosquée. On ne l'a pas placé devant l'église catholique. Mais on l'a placé devant le temple. Et c'était où c'est en Israël. Donc dans le pays où les gens croient, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous entendez cela? Donc ces hommes-là, ils sont allés le placer là à la peau de la belle. On appelle la belle, vous comprenez? Donc c'était en Israël. C'est passé par autre pays, mais en Israël aussi. Donc c'était des hommes qui croyaient. Donc ils savaient que Dieu était quand même leur Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour lui, il savait que Dieu existe. Et comme il savait que Dieu existait, il savait aussi une chose, hein, que leur existence à eux, parce que si on l'appelle Israël, c'est parce qu'ils descendent, il y avait donc eu d'abord Abraham. Vous avez déjà lu la prière de Jacob. Je crois que nous avons lu effectivement dans Ésaïe 49, je pense. Non, dans Genèse 49. Vous l'avez entendu comment il disait. Je vais quand même lire un tout petit peu, parce que c'est toujours important. Dans Genèse chapitre 49. Je pense que c'est cela, oui. Voilà. C'est que tu... Non, je vais te dire que 48, je suppose. Voilà, c'est, nous avons lu peut-être rapidement ce stock. Et voilà. Genèse 48, le verset 1. Ça, c'est. Il dit : après ces choses, je crois que nous l'avons lu dimanche. Hein, l'on vint dire à Joseph : voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit donc Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Alors, vous savez, Joseph est le fils de Jacob. Jacob, lui, il est le fils de qui? Il est le fils d'Isaac et de Rebecca. Vous vous souvenez? Et Isaac est le fils de qui? Isaac est le fils d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a pu dire à Abraham? Lisons dans Genèse au chapitre 11. Chapitre 12, verset 1, il dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas? Quand Dieu a fait sortir Abraham du pays effectivement dans lequel il était, il lui a dit effectivement ce que lui, il allait faire avec lui. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors maintenant, il dit ceci dans les Saintes Écritures,
15, effectivement, verset 1 dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera donc mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera donc ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera donc ton héritier. Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, effectivement, si tu peux le compter, et lui dit, telle est ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel et qu'il lui imputa donc à justice. Vous suivez cela? Ok. Alors, nous prenons aussi dans les Saintes Écritures, je pense que c'est dans les livres de, toujours Apocalypse, enfin, non, Genèse, effectivement, et nous lisons au chapitre 18. Nous lisons chapitre 18, verset 1, il dit, l'Éternel lui apparut donc parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici trois hommes étaient donc debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur, mais permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps, votre cœur, pardon, après quoi vous continuerez votre route. Car, d'abord, je voudrais que nous lisions, oui, ça va, je voudrais quand même nous lisions ici, je pense, c'était chapitre 17, avant d'arriver à chapitre 18. Regardez bien, ici, il dit, verset 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Je ne sais pas si vous avez suivi la lecture, c'est que depuis qu'Abraham, Dieu lui a parlé, il n'avait rien. Mais Dieu lui parlait toujours que je te bénirai, je te rendrai fécond. Vous connaissez cela? Donc tout ça, quand Dieu lui parlait, effectivement, Abraham n'avait rien du tout. Il a même dit, nous a même dit, effectivement, dit, mais je n'ai pas de postérité. Il a bien insisté cela. Mais Dieu continue toujours à pouvoir lui parler de sa postérité, alors qu'il n'en avait pas vraiment. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, il lui dit que, voici, il dit, mais on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle. Donc Dieu continue à parler, ce qui est merveilleux avec lui, nous revenons à ce qu'il a déboîté sur la porte, Dieu continue à parler avec cet homme ici, simplement parce qu'il a dit à l'homme, et l'homme a eu la foi dans ce que Dieu dit. Et lui parlait de sa postérité comme si pour lui c'était déjà là. Et Abraham, quand que Dieu lui parlait comme ça, lui aussi il croyait que ce que Dieu lui a dit, et puis Dieu lui donne, écoutez bien, il n'avait rien, il n'avait même pas de portée, mais Dieu lui donne des promesses déjà. Lui montrant que lui, quand il dit, parce qu'il dit, mais je le ferai ici. Parce que ici, il dit ici, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle. Verset 7. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mais il lui a dit que je n'ai pas de postérité. Est-ce que vous suivez? Abraham lui a dit, mais je m'en vais sans postérité. Et il continue à marcher sans postérité. Mais Dieu lui parlait qu'il va bénir sa postérité, qu'il est habillé dans la bénédiction. Mais Abraham, il savait très bien que cette femme-là était stérile, effectivement, aussi, qu'elle ne pouvait jamais avoir d'enfant. Il savait très bien. Et Dieu, il lui a dit, mais c'est Eliezer d'avance, effectivement, qui est dans ma maison. Mais Dieu outrepasse cela, il continue à lui dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu est concerné par ce qu'il t'a dit. Maintenant, regardez, maintenant, il a dit cela. Et puis maintenant, nous continuons dans le chapitre 18. Il dit, quand il est vu, il courut devant eux, verset 2, et alors, il s'est de Satan, et se posant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur.
Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre... C'est-à-dire qu'en fait, que, il savait celui qui était en fait en présence. Vous savez, nous en avons déjà souvent parlé. Mais c'est pour que vous puissiez voir. Il savait celui qui était en face de lui. Vous pouvez remarquer que Abraham, malgré le temps qui passait, que Dieu lui a parlé et lui a parlé même sa postérité, il ne la voyait pas. Mais même quand Dieu venait, Abraham, son amour pour Dieu ne changeait pas. Son respect pour Dieu ne pouvait pas changer. La question pour dire, vous voyez, sur les chaînes de Mamré, toujours ce même empressement. Vous pouvez dire aussi, mais bon, je l'ai prié, quand même, il m'a promis, il m'a dit, mais je ne vois rien. Et puis quand il pouvait le voir comme ça, il dit, bon, bah, s'il passe, bon, écoutez, il passe. C'est comme quand vous venez nonchalant à l'assemblée. Hein. Bon, nous avons prié. Mais Dieu, quand vous venez, les mardis, les jeudis, les dimanches, il vous parle. Bien sûr, il vous parle de ce que lui, il a déjà dit pour vous, de ce que lui est en train de faire, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement, ah Seigneur, je n'ai pas encore de mari, ah Seigneur, je n'ai pas encore de femme, mais tu es déjà parlé. C'est le problème, je vais continuer plus rapidement pour arriver à ce que j'ai cité tout à l'heure comme avec le boiteux. Le problème, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Le problème, c'est que vous n'avez pas foi en Dieu. Vous venez simplement pour satisfaire pour calmer votre conscience. Parce que ce n'est pas possible, frère, que vous soyez des croyants et que quand vous entrez dans la maison du Seigneur, ça devait être une flamme. Non, ça devait être une flamme. Oui, c'est vrai. Oui, mais il ne faut pas vous plaindre que Dieu ne me donne pas. Mais regardez Abraham, par exemple. Son amour n'a jamais faibli pour Dieu, malgré qu'il marchait avec une femme stérile. Mais Dieu lui parlait, je bénirai ta postérité, je te bénirai, je te rendrai fécond et tout ça. Mais Abraham entendait. Et Abraham ne doutait pas. Vous savez, la Bible dit, il espérant contre toute espérance, il ne douta point par incrédulité. Donc il avait l'assurance que c'est Dieu ici, même si je ne le vois pas. Mais parce que Dieu lui en parlait continuellement, pour que dans son mémoire, il sache qu'effectivement, que, puisque je te dis, je l'ai déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous voulez que Seigneur baptise-nous du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, le Saint-Esprit est déjà pour vous. Le problème n'est pas de Dieu. Mais le problème est vous. Seigneur, fais-nous que nous soyons forts, et bouillants, chauds, chauds. Mais Dieu vous a déjà rendu chaud. Amen. Amen. Tu ne sais pas de quel chaud, 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 chaud Dieu, c'est pas ce que je veux dire, que vous voulez que Dieu il le fasse. Je continue ici. Simplement que vous puissiez vous rappeler, frères et sœurs, c'est-à-dire que pour que Dieu prenne plaisir en vous, il faut l'obéissance. Vous savez ce que c'est que l'obéissance? Je parlais avec ma bien-aimée sœur qui m'a appelé tantôt. Elle est aussi en connexion. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alors, elle me disait, ah frère, c'est là la difficulté, c'est le problème, c'est que Dieu m'aide pour l'obéissance, pour que je puisse vraiment obéir. Alors, je l'ai regardé, je l'écoute, je lui ai dit, ma sœur, je vais te poser une question. Et ça, je vous pose aussi à vous tous, aussi, vous êtes là, vous me regardez. Parce que ce n'est pas Dieu qui doit venir obéir à votre place. Non, non. Vous dites, non, vraiment, frère, c'est difficile d'obéir à ce que Dieu a dit. Moi, je me pose une question. Sur l'autoroute ici, on a fait l'imitation de 100 km à l'heure. Est-ce que toi, tu peux rouler 200 km à l'heure sur l'autoroute? Je vous pose la question. C'est ta voiture. C'est ton volant. Eh bien, vas-y. Ça va même jusqu'à 280. Tu peux... Fais 200 km à l'heure. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as peur. Parce que tu ne veux pas désobéir. Parce que tu... Mais oui, donc toi, tu dis non, je ne vais pas le faire. Mais si déjà pour ne pas dépasser 100 km, tu as la capacité de voir, à respecter, dire je ne vais pas désobéir, mais comme pour la raison, c'est que Dieu te demande. C'est votre mauvaise volonté. Vous trouvez toujours les raisons. Ah, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Non, vous ne voulez pas. Je donne un exemple. La Bible nous fait comprendre qu'un abandon. Les femmes ne portent pas de vêtements d'hommes, effectivement. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion. Je ne veux pas voir des sœurs ici me porter des vestes de leur papa. J'ai vu que c'est une mode maintenant que tout un chacun qui vient. Voilà, avec. Mais la veste, c'est de votre père. Dieu ne vous a pas demandé d'aller prendre la veste de votre quand même papa. Bon, si vous étiez ignorant, comprenez qu'il ne faut pas le faire. Il manque moi que vous prenez la cravate que vous mettez aussi parce que c'est à la mode. Ne suivez pas comme des chiens des choses comme ça.
Vous êtes des fils et filles de Dieu, soyez respectueux. Bon, bref, donc j'ai dit, etc. Donc, vous remarquez qu'effectivement, que nous avons la capacité. Bon, je crois que j'ai donné l'exemple. Bon, voilà, moi, je ne sais pas, moi, je suis né dans la city, quand on dit, bon, voilà, les seigneurs te demandent effectivement de pouvoir te montrer qu'il faut, ceci, il faut arriver à pouvoir. Parce que porter les vêtements, maintenant, comme vêtements d'homme, effectivement, ce n'est pas bon pour une dame, effectivement. Elle dit, non, moi, je ne peux pas, j'en peux pas. Bon, ok. Tu viens à l'église, tu es là, tu murmures parce que ça ne t'arrange pas. Je ne saurais même pas porter la jupe parce que ça, je n'arrive pas, je, pas de problème. Maintenant, vous avez posté postulé pour un travail. Et ce travail, on vous dit qu'on vous payera 3 500 ou 4 000 euros par mois net. Mais la condition, c'est que vous puissiez venir en jupe. Loger, véhiculer. Mais la condition, c'est que c'est, vous devez vous apporter une blouse et puis une jupe pour le poste que vous a désigné. Et puis on vous a dit, bon, madame, vous avez trouvé un emploi, on vous accepte effectivement un emploi, et voici donc l'uniforme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez même pas demandé, hein? Vous n'avez même posé la question, vous allez chercher une jupe. Automatiquement, vous la mettez, ça ne vous dérangerait pas, effectivement. Est-ce que vous voyez ces mauvaises volontés que vous avez? C'est pour ça que vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu vous a donné la capacité. Quand nous étions dans le monde, effectivement, nous étions possédés. C'est pour ça que je disais ceci, que parce que les gens comprennent mal, que bon, ils disent, non, moi je n'ai rien à faire, vous pouvez vous promener avec vos sous-vêtements, ce n'est pas mon problème. Ah oui, je l'ai dit ici, vous pouvez comprendre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, parce que l'enfer, c'est vous qui irez. Le feu, les douleurs, tout ça, c'est vous qui irez, vous pouvez vous promener comme vous voulez, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la grâce de Dieu que Dieu vous montre effectivement les choses. Et c'est vrai, quand j'ai parlé cela de sous-vêtements, vous commencez à me regarder, mais vous le faites. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous me regardez maintenant. Les maillots de bain. On va dire, ah, ce monsieur est un archaïque, maillot de bain. On va faire la gym, mais vous mettez tout nu. Si vous mettez tout nu, et bien là-bas, vous allez là, faut pas avoir, mais si on ne vous dit pas ça, vous n'allez pas, vous allez dire, on ne sait pas. Mais non, vous devez savoir. Quand vous allez dans la piscine, tchumboui, ah, vous êtes là maintenant, tchumboui, tchumboui, mais tchumboui, c'est tchumboui, 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 vous n'êtes pas habillé. Et parce que, vous savez, c'est le mouvement, c'est les démons, ça. On trouve tout le monde là-bas, il est bzigi, 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 et puis moi aussi, j'ai dit, bzigi, bzigi, bzigi. Mais non, tu ne peux pas faire bzigi bzigi. Toi, tu dois être habillé. Non, bref, je ne prends pas que je dors. Non. Effectivement, donc, nous avons donc la capacité de pouvoir obéir. Tu ne vas pas me dire ici, ah, frère, je n'arrive pas. Non, tu arrives. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as envie de faire ce que ton démon, on te dit que ce n'est pas bon là, cet esprit. Et quand tu veux faire cela, ce démon-là s'accroche aussi à toi. Puisque oui, c'est comme ça que tu l'invites, effectivement. Et il vient, il fait son travail, effectivement, cela. C'est pourquoi vous, jeunes, ne vous fâchez pas, oui, parce qu'on nous dit, on entend que bon, les frères, parce que je sais que vous êtes toujours en colère. Hein. Quand on dit ici, sœur, c'est si, ah, on nous en veut, on ne veut pas qu'on voit un peu notre poitrine, on ne veut pas qu'on voit un peu notre jupe, comment il nous sert, qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, bref, parfois. Parce que dans les choses qui sont de Dieu, c'est la sainteté. Ça ne doit pas vous gêner, frère, parce que vous le faites. Il faut que ces démons-là sortent. Parce que si vous êtes là toujours comme ça, parce que c'est vrai, il y en a aussi, c'est comme les parents, qu'est-ce qu'on en veut à ma fille, qu'est-ce qu'on veut à mon fils, on n'en en veut rien à vos enfants. C'est qu'on apporte ici la parole de Dieu pour que les démons qui cherchent à pouvoir avoir leur habitation dans nos enfants. Amen, amen. Vous savez, regardez, je ne pensais pas à cela. Regardez, surveillez vos enfants. Observez-le des photos qu'ils prennent actuellement. Je peux vous le faire. Parce que moi, observez vos enfants. Petits, hein? Que Dieu te bénisse. Sur moi, ma soeur, et quoi? Elle accepte cela. Vos enfants, les photos qu'ils prennent. Posez-vous un peu la question. Vous trouvez ça normal? Alors quand on laisse partir comme ça et que ces enfants commencent comme ça, ils vont partir avec cet esprit-là. Vous allez en trouver comment ici? Vous savez ce qui va se passer, non? Et si on ne le reprend pas dès maintenant, pour qu'ils puissent comprendre effectivement ce qui est bon et ce qui est mauvais?
Alors, bref, bon, alors, si il dit, je prends un tout petit peu de temps, hein. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, mon frère, parce qu'il y en a de ceux qui me regardent maintenant, peut-être en disant, mais bon, qui passent outre parce qu'on n'aime pas trop entendre ces choses. Mais avec moi, vous ne pouvez pas vous entendre d'entendre toujours ce que vous voulez. Ça, je vous l'ai toujours dit. Hein, si, avec moi, si je, vous ne pouvez pas vous dire, voilà, il va nous donner comme ça, c'est, moi, je ne sais même pas ce que je dois vous donner. Mais si il me conduit à parler comme ça, que ça vous plaise ou pas, que vous puissiez supporter ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je dois faire, à vous de juger ce que vous allez en faire. Alors, je continue. J'irai prendre un morceau. Verset 5. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre chemin, votre route, pardon. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais donc comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Avec beaucoup d'empressement, hein. J'ai toujours, ça j'aime beaucoup cette écriture, vous me permettez encore un peu de... Quand vous recevrez un frère et une sœur, c'est comme si vous recevez un prince. Amen, amen. Peu importe son mauvais côté, peu importe, mais le fait qu'il est rentré dans ma maison, moi je dois agir comme cela. Il ne faut pas donner la nourriture avec un mauvais cœur à quelqu'un. Moi il est venu, bon je vais quand même donner parce que bon j'ai dit, c'est pour ça j'ai toujours dit, moi je regarde, je me dis mais quand tu vois toujours, je suis fatigué, hein, bon je vais quand même faire, j'ai dit s'il te plaît ne fais rien du tout, si tu ne touches pas, rien, ne fais pas. Oh non, j'ai pas dit, non, quand un frère vient, quand une soeur vient, c'est peu importe la fatigue. J'ai déjà l'effet de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as accordé la grâce que mon frère, peu importe dans quelles conditions, mon frère, parce que c'est toujours, nous sommes appelés à obéir. À être hospitalier. Je ne regarde pas ma condition, et certainement, même si c'est vrai qu'on me. Mais Dieu, quand il permet que la personne vienne chez toi à ce moment-là, Dieu connaît ta condition. Quand tu y mets ton cœur et tout ça, la personne est bénie en retour. Dieu te bénit aussi. Mais nous sommes devenus, les temps, nous sommes devenus mauvais, des égaux, des hypocrites. Quand un frère vient chez vous, allez, que Dieu te bénisse. Mais on dit, mais pourquoi il vient à cette heure-ci? Il n'a même pas compris que je reviens du travail. Mais Dieu sait que tu reviens du travail. C'est peut-être pour les frères, là, avaient vraiment un problème, question de vie ou de mort, et que ta présence et ce que tu vas lui dire va lui donner encore la force. On ne vit plus pour nous. On vit pour ce Jésus. Je ne sais pas que vous puissiez comprendre, frère. Et puis, ne soyez pas toujours individuel qu'on vient toujours faire pour vous. Vous devez aussi faire pour les autres. Bon, que Dieu nous bénisse richement. Lève-nous parce qu'il est 21h. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous aurons aimé pouvoir. C'est toujours bon d'être là avec Dieu, mais les semaines, ce n'est pas aussi facile. Mais vous voyez, ça fait du bien. Hein? Nous ne sommes pas arrivés parce que dans la prière de Jacob, quand Jacob a prié, et qu'il priait là, regardez comment il rappelait des choses, effectivement, et qui sont les paroles que Dieu avait dit à Abraham. Et là, Jacob s'en est approprié, et qu'il le répète, effectivement, dit, mais l'ange qui m'est apparu à lui. Vous vous souvenez, j'ai dit que nous devons être heureux, frères et sœurs, de pouvoir rester dans la réunion, même jusqu'à minuit ou 5h, de dire Seigneur, aide-nous, nous avons la soif de pouvoir, parce que nous voulons être à genoux, frères. Rentrer à nos maisons à genoux, plus rentrer avec des pensées qui ne sont pas bonnes, mais rentrer à genoux et prier Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Même si on se moque de moi dans ce monde, mais tu m'as connu, maintenant je te connais. Pourquoi me plaindrais-je, Seigneur? Pourquoi me plaindrais-je? Cet homme était, on le voyait aveugle, mais il s'est souvenu de la promesse de Dieu. Et ce que ce Dieu a été pour son père, rien parfaitement Abraham, et la même promesse à lui aussi. Je te rendrai fécond. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, mon frère? Et il a dit à Abraham, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et c'est d'Isaac est venu Jacob. Et de Jacob est venu le patriarche. Je vous en prie, frères et sœurs, ne retournez pas en vous plaignant dans vos maisons. Comment ça sera avec ceci, avec nos enfants? Dieu prendra soin. Oui. Toi, accroche-toi à Dieu. Quand tu t'émerges, je ne prie pour ton enfant. Prie pour tes petits-enfants. Prie pour ton mari. Prie, tu auras la victoire. Il te donnera. Parce qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il y a fait de l'Ancien Testament. C'est le Jésus que nous avons ici. Alléluia. Père, notre Seigneur, nous voulons te dire merci.
Parce que tu es vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ta parole nous fait vraiment du bon bien, mon bien-aimé Seigneur. C'est pourquoi nous aimons être là. Ce peuple est à toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh, Satan essaye. Il fait par tous les moyens d'éloigner nos jeunes sœurs, d'éloigner nos frères, Père Tubissant-Dieu. Mais toi, tu es comme les grands aigles, Père Saint-Dieu, qui veille sous la couvée, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh, tu es le Dieu qui nous transporte dans les hauteurs, mon roi, pour que nous puissions voir ce que tu as déjà fait pour nous, Père. Oh Dieu, Père, nous importe, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu, les tracas, les difficultés que par lesquelles nous pouvons passer dans ce monde. Ne peux pas être comparé à tout le merveille que tu as déjà fait pour nos pères. Mon âme te loue, mon bien-aimé Père Tubissant. Sur la terre, tu prendras toujours soin de nous, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Oh, de là, bien-aimé Père Tubissant. Et encore, tu nous recevras dans les lieux. Merci parce que tu as préparé une place pour nos pères. Nous sommes des bienheureux, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons rien avoir avec ce monde, mon bien-aimé Père Tubissant. Nos cœurs et nos âmes sont accrochés à toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Et disant la grâce, c'est vrai. On se tracasse, on se tue pour les choix de ce monde. Avec tout cela, mais voici même la politique, comment elle n'a pas d'issue aujourd'hui, Père Tubissant. Comment les programmes sont là pour taxer, pour demander l'argent. Père Saint-Dieu, ils ne vivent que pour l'argent parce qu'ils ne voient pas d'autre ici. Mais nous, ce n'est pas pour l'argent, pour cela, Père Dieu. Nous savons que l'argent n'a pas d'importance, moi, mais c'est toi qui es important pour nous, Père. Oh Dieu, Élie n'avait pas de compte en banque, mais il mangeait. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Saint-Nom, mon Père. Oh, souviens-toi, que ton peuple réalise la grâce qu'il a, mon bien-aimé Père Dieu. Que tes enfants comprennent effectivement aussi l'importance de marcher avec toi. Seigneur Dieu, les ailes de pouvoir réellement s'accrocher à toi. Mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi, c'est vraiment un privilège de pouvoir t'avoir. Merci pour ce moment et merci pour ces instants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi, nous voulons te servir jour et nuit. Oh Dieu, comme cet enfant Christian l'a dit, Père Saint-Dieu, c'est vrai, c'est là, Père du Saint-Dieu, ce que nous t'avons déclaré jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, nous te servirons, nous te serons fidèles. Père, nous importe la condition, Père, nous importe l'état, bénémoine, Père Saint-Dieu, mais nous savons que tu as déjà fait, Seigneur, et c'est pour cela que nous te remercions, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es mort pour que les scellements s'effacent, mon bénémoine, Père Tubissant, mon Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur. Merci encore pour ce soir. Nous te prions aussi pour toutes les requêtes de nos frères et sœurs. Oh Dieu, te demandons la grâce de pouvoir te souvenir de nos précieux frères et sœurs. Oh Dieu, souviens-toi de ma sœur Komal aussi, là au Pakistan, bénémoine Père Tubissant. Oh Dieu, que tu lui accordes la grâce, mon bénémoine Père Tubissant. C'est vrai, sa famille et tout ton peuple, bénémoine Père Saint-Dieu, qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous te remercions, Père. Nous avons foi et confiance en toi. Et tu nous accordes la grâce d'avoir la patience de pouvoir nous attendre à toi, mais oh, comme tu l'as fait comprendre, nous voulons seulement nous attendre à genoux et te priant, et te remerciant, et te glorifiant, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas regarder à notre état, nous voulons regarder à ce que toi tu as fait pour nous, Père. Nos yeux fixés sur toi, le Rédempteur béni, qui a tout vaincu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Garde ton peuple, accompagne le Père, que les respects soient vraiment aussi en paix, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Leur cœur aussi, pas troublé, mon bien-aimé Père Tubissant, que tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Nous croyons en toi, mon bien-aimé Père Dieu. Merci pour tout, Père. Pour voir, pour le leur pain quotidien, leurs besoins quotidiens, pour leur nourriture, pour leurs vêtements, qu'ils soient heureux, qu'ils ne manquent absolument de rien. Les chaussures, Père Saint, pour tout, et pour tous ceux qui sont leur corps, leur santé. Seigneur, pour voir pour ton peuple. Merci encore parce que tu es le Dieu vivant qui agit pour nous, Père, et qui nous soutient. Nous voulons vivre pour toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple acheté. Jusqu'à la mort, nous ouvrons aux bannières sa croix sanglante, qui s'est suscité.
c'est notre cri de guerre. Le libre prix d'un peuple acheté. C'est notre cri de guerre.